Salut tout le monde, ça y est, on est enfin au chapitre 2, donc c'est parti pour la suite. Donc, on va aller voir le petit Pampa. Il y a un chat, un chien et un Pampa. Ça y est, j'ai enfin sauté le pas et pris un chat chez moi. Il est trop mignon, j'arrête pas de le prendre en photo. Ah, comme je te comprends. Mon petit chien est tellement adorable que j'immortalise chacune de ses mimiques, moi aussi. Tout pareil. Même si mon petit compagnon à moi ne change jamais de pose, lui. Vous voulez voir ses photos? Il est beau, mon Pampa, hein? C'est vrai? Mais où est-ce que tu l'as ramassé? Dans le coin, j'espère. Ok, c'est un compagnon. Salut. Salut. Chacun est allé faire un tour de son côté. Ouais, je sais. T'as vu ce réservoir? Il te rappelle rien. Si. La promesse que je t'ai faite. La robe que j'avais mise. C'était ma préférée. Ah, la bleu clair, je crois. Ou turquoise, plutôt. Ouais. Affinité avec les autres personnages. Cloud a un certain niveau d'affinité avec chacun des autres personnages. Celui-ci évolue en fonction des actes et des réponses de Cloud. Des événements spéciaux pourront se produire si cette affinité augmente. Ces niveaux d'affinité peuvent être visualisés sous la forme d'icônes. Exemple, un smiley content ou smiley très content au-dessus de la tête des personnages lorsque chacun est libre d'agir séparément. Maintenir L1 permet également d'afficher ces icônes. Les smileys pas top. C'est une jolie ville et si paisible. Ok, on va fouiller un peu la ville. Let's go. Ah, ça a l'air d'être super grand. Alors, on a des jeux de cartes, on va les faire. Ned. Néné. La librairie. Ça doit être l'armurerie, mise à jour de l'équipement. Ok. On va aller voir. Le vin de Cannes est très délicat. Le moindre écart dans son élaboration et il perd beaucoup de sa saveur. Aujourd'hui, Midgar fait face à la plus grande crise de son histoire. Ça alors, t'es tombé du lit? Et toi, déjà en train de boire? C'est pas de l'alcool. Mon prochain verre, je le boirai quand on aura reconstruit le 7e ciel. Suivant l'avis de la compagnie Shinra, le maire Domino et les autres. Il n'en sera que plus agréable. Ça, c'est sûr. On organisera la bringue de l'année. On va s'éclater. Ok. Vous êtes nouveau dans le coin, non? Ok, je me casse. Ah, on peut peut-être descendre. Non. T'as entendu les rumeurs sur l'investiture d'un nouveau président? Il fait colle. C'est quand même un peu long. Je suis peut-être venu un peu trop tôt. Est-ce que j'ai eu tort de venir un jour à l'avance? Je crois que j'étais un peu trop impatient de lui déclarer ma flamme. Mais pourtant, c'est ce qui était écrit dans l'horoscope amoureux. C'est ici. Tout vient à point, à qui sait attendre. Il n'y a pas d'erreur. Ok. Bah allez, on va se faire une petite partie de carte si on trouve un adversaire. Ah, il est là. Je veux jouer quand même. Allez. Qu'est-ce que vous voulez? Faut pas faire peur aux gens comme ça. Vous voulez
faire une partie de Queen's Blood, c'est ça? Oh non, que faire? C'est que vous avez l'air vraiment fort. J'ai beaucoup de... Bon, en général, les mecs qui pleurent, ils sont balèzes. Ce regard, je sais ce que vous pensez en voyant un adulte comme moi pleurer comme ça. On m'appelle Ned le pleurnichard. Parce que plus je pleure, plus je deviens fort. Jouez un match contre moi, s'il vous plaît. Éditer le deck. Ned, carte 13. Deck numéro 1, non mais je suis plutôt pas mal. Carte acquise. Ok, moi je pense que je peux pas faire grand chose pour l'instant. Commencez à jouer. Allez, go! Je vais te démonter. Retirage de cartes. Avant de commencer une partie de Queen's Blood, vous pouvez sélectionner les cartes de la main actuelle que vous désirez retirer. Servez-vous de cette possibilité pour remettre dans votre deck les cartes au rang élevé que vous ne pourrez pas placer dès le début. Ce genre d'astuce vous permettra de gérer plus facilement le début de vos parties. Ah. Ok. Bon, celui-là, je peux pas le jouer dès le début. Ok. Bizarre ça. J'ai pas un deck de ouf. Ok, on va commencer comme ça. Peut-être le mettre après. À ton tour. Oui, c'est la pète. Ah.
ma partie. Je suis un peu obligé. Ah ouais, il peut la mettre... Ah ouais, on peut jouer comme ça, ok. Enfoiré. Ah, je peux le mettre ici. Intéressant ça. Ok. Ça la pète un peu. Le petit enfoiré. Oui, il me faut une belle carte là. Ah, c'est la merde. Ah, il m'a bloqué cet enfoiré, je crois. Ouais. Recommencer. Allez, commencer la partie. Ok, il se la pète lui. C'est parfait. Le soldat il est pas mal. Allez. Essayez de bloquer. Thank you.
normalement je win. Ok. Allez, au revoir. Revanche, carte 13, claquoir de mer. Oups! Bon bah, j'ai perdu. Mais j'ai beaucoup pleuré et ça m'a requinqué. Jouer au Queen's Blood, c'est vraiment le meilleur moyen d'évacuer le stress. En parlant de ça, vous avez l'air d'en avoir accumulé beaucoup, vous, du stress. Ça se voit sur votre visage. Ce que je vous conseille, c'est une bonne crise de sanglots. Vous devriez vraiment essayer. Oh, quel perdant. Donc, on a quoi par ici? Red. T'as déjà fini de t'occuper de l'équipement? Oui. Je pensais pas te trouver là. Je monte la garde. La Shinra pourrait débarquer à tout moment. On n'aurait pas pu trouver mieux que toi. Tu auras du mal à me faire rougir. Le niveau d'alerte aux créatures dangereuses est à présent sur menace imminente. En raison des effluves de Mako en provenance. Ok, j'imagine, on peut pas sortir. Regardez pas ici. Ah, quel bon air pur. Et regarde le ciel immense. Un bandeau. Cette ville. Ah, mon premier chocobo. Bienvenue. Prenez tout votre temps. Acheter.
Alors, coussin permet d'utiliser les lieux de repos endommagés. Antidote, j'en ai pas. Vol, je l'ai pas. PV augmenté. Putain, ça coûte cher. Bon, on va se prendre un petit booster. On va se prendre un petit coussin ou deux. Putain, j'en ai 7 dans l'inventaire. Ah, je suis teubé. Ah, j'ai des armes aussi. Vendre, qu'est-ce qu'on peut vendre ? Ah, c'est pas grave, on va garder. Je vous remercie. Au plaisir de vous revoir. Approchez, venez voir. Merci, bon, on est hâte que mijoter. Alors, comment vont les affaires? De mon côté, ça va. Le ah, yes. Tiré par mon fils Acosta, affiche complète. Oh, ça fait plaisir. Cette muraille est vraiment superbe. Je pensais que c'était la grande rose, mais c'est pas. Néné, donc on a un troisième joueur ici, Zeira. J'ai raté la librairie. Qu'est-ce qu'il nous fait? Mais qui t'a permis de détruire ma barricade? C'est pas des manières? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es ici pour admirer la muraille de Calm, toi aussi? Ou bien... est-ce que tu es venu me voir pour me défier à un duel de Queen's Blood? Je m'appelle Zaira, enchantée. À l'image de la majestueuse muraille de Calm, ma défense est infranchissable, et je ne laisse jamais passer mes adversaires. Tous ceux qui ont essayé de se frotter à moi en ont fait les frais, je te préviens. Alors si tu veux avoir la moindre chance... t'as intérêt à tout donner. Faire une partie, ouais. J'ai des nouvelles cartes. Tu vas souffrir. Aptitude des cartes, affaiblissement. Vous venez d'obtenir une carte dont l'aptitude permet d'affaiblir les cartes disposées sur le plateau du jeu. Si la puissance d'une carte tombe à 0, elle disparaît et la case qu'elle occupait devient à nouveau libre. Notez que certaines cartes possèdent des aptitudes qui se déclenchent lorsqu'elles disparaissent ou lorsqu'on les affaiblit. Peut donc... être dans votre intérêt d'affaiblir ou de faire disparaître vos propres cartes, et non pas seulement celles de vos adversaires. Visez la victoire avec des stratégies osées. Ok, éditez le deck. Oh, lui, il est pas mal, lui. On t'ajoute toi. Ouais, faudrait que je retire des cartes alors. Celui peut être pas mal aussi.
Ok, faut que je retire. Je vais te retirer toi à la place. Toi, on va te retirer. On va te mettre toi. Grenadier, ça peut être pas mal. On a celui-là aussi. Le Quetzal Colt. J'ai pas de 3. Aïe. Et on va te rajouter toi. Et on va voir. Ok, joué, c'est bon. Bon, je begin. Commencer comme ça. Bizarre, ça ne fait rien. Bizarre. Il a déjà gagné le haut. Ah ouais, je suis teubé, bordel. Ah, la case blanche, le petit carré blanc, c'est par là où on commence en fait. Bah fais attention, petit détail qui te change tout. Donc j'ai un deck de merde. On va essayer de limiter les dégâts. Pas beaucoup de choix là.
Pas le choix. On va quand même gagner. Peut-être. Peut-être pas. Ok, normalement, oui. Hurleur, pas mal. Juste un point de... Impossible. Comment as-tu réussi à briser ma défense? Tu n'es pas humain. Au fond, je le savais. Je me doutais que rester enfermé ne suffirait pas complètement. Une muraille est une bonne protection, mais il arrive toujours un moment où il faut passer au-dessus. Bien. C'est décidé. À partir d'aujourd'hui, c'est toi, ma muraille. Mais je te surpasserai un jour. Sois-en certain. Alors, bah oui, hein. Bon, faut que je retrouve la librairie. De nos jours, on peut faire fonctionner. Ah, c'est Aeris. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Ah, Cloud. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Je te cherchais. Tu tombes très bien. Ah bon? Tu vas à la librairie? Après ça, je te propose un truc, si t'as le temps. Tu voudrais bien aller au clocher avec moi? Ouais, d'accord. Vraiment? Génial! Bon, alors je m'occupe d'acheter les billets d'entrée. À tout à l'heure, devant le clocher. Alors, je me demande si ça affecte la fin, en fait. Les choix. Bonjour, bienvenue à la librairie Magnata. C'est la première fois que vous faites personnaliser votre codex, monsieur? Vous savez sans doute que pour cela, il est nécessaire que vous possédiez l'expérience, les connaissances et les capacités suffisantes. Mais vous semblez assez qualifié. Essayons dès maintenant. Développement via les codex. Vous pouvez développer les aptitudes de vos personnages en enrichissant et en consultant leurs codex respectifs par le biais des librairies Magnata. Chaque codex contient un arbre d'aptitudes. Lorsque vous en consultez un, vous avez la possibilité de renforcer le personnage concerné en utilisant des points d'aptitude, PA. Outre les librairies citées, les codex peuvent être utilisés via les kiosques Magnata situés un peu partout dans le monde. Ok. Amélioration des codex, activez les noyaux d'aptitude des codex de vos personnages et fera évoluer. Cela vous permettra notamment d'augmenter leurs attributs ou de leur faire acquérir de nouvelles compétences, dont des compétences synchronisées qui pourront déclencher ensemble l'essayer sans plus tarder d'activer un noyau d'aptitude. Ok, commencez par Cloud. Voici le codex de Cloud, vous pouvez activer les noyaux d'aptitude en utilisant des points d'aptitude, PA. Placez les curseurs sur un noyau d'aptitude pour en lire les détails. Commencez par le noyau en haut à gauche. Floraison magique. Cloud effectue une attaque à distance en bénéficiant de l'énergie magique d'Aeris. Effet niveau de transcendance augmenté. Partenaire Aeris. Vous pouvez ainsi voir quelle compétence sera acquise en activant ce noyau et combien de PA sont nécessaires. Essayez d'activer ce noyau d'aptitude. Maintenez X. Vous avez appris une nouvelle compétence, synchronisée. Une fois qu'un noyau est activé, il devient possible d'activer ceux qui lui sont adjacents. Vous pouvez activer les noyaux dans l'ordre que vous souhaitez et ainsi adapter les compétences de chaque personnage à votre style de jeu. Vous verrez apparaître de nouveaux noyaux d'aptitude lorsque le niveau de l'équipement augmentera.
Vous obtiendrez des PA en combattant ou en lisant des ouvrages tels que le combat à l'épée. Vous pouvez réinitialiser les noyaux activés n'importe quand et vous récupérez tous les PA utilisés. N'hésitez pas à tester plusieurs combinaisons afin de trouver le style de jeu que vous préférez. Voilà, c'est pas mal pour une première fois. Plus vos compagnons et vous approfondirez vos relations, plus vous pourrez améliorer vos codex. Repassez la prochaine fois que vous souhaiterez les personnaliser. Oh, vous revoilà. Barrett. Vision collective. Barrett et Red augmentent ensemble leur capacité de concentration. Ajout temporaire d'une troisième barre à la jauge ATB. Double garde adopte une position défensive renforcée avec un équipier. Ça peut être pas mal ça. Allez, on va faire ça. Niveau d'armes. Tifa. Vrille double. Cloud et Tifa sautent en vrillant afin d'effectuer une attaque perforante. Ok, on va débloquer les niveaux de transcendance augmentés. Tifa fait appel à la magie d'Aeris afin de sauter et d'effectuer une attaque dans une large aire d'effet. Alix. Red 13. Barrett effectue une attaque en projetant Red 13 comme un boulet de canon. Ça peut être marrant. Merci pour votre visite. Pas de rien. Cette boutique est la plus ancienne librairie de l'enseigne Magna. Donc on va mettre la carte. On est où nous? Où j'ai à gauche. Dis, tu connais le jeu de cartes Queen's Blood? Comment tu joues? Alors moi, être là où c'est enfoiré, non? Tiens, on dirait que nous avons trouvé un nouvel adversaire. Alors, mon grand, qu'est-ce que tu dirais d'un petit duel? Laisse-moi d'abord te présenter cette jeune demoiselle, Néné, ventriloque de talent. D'ordinaire, elle est un peu timide, mais il suffit de lui mettre un deck de cartes entre les mains et tu verras qu'elle change du tout au tout. C'est une joueuse exceptionnelle. Alors je te conseille de pas la sous-estimer si tu veux pas y laisser des plumes. Ouais. Alors voyons voir. Ça c'est défensif. Ça aussi c'est super défensif. Éditer. C'est quand même balèze, il me faut des cartes offensives quand même. Ouais. On va l'ajouter. Toi, on va t'ajouter. Ok, donc on va retirer Elephant Man. Ça, on garde ça. On retire.
Allez, on retire ça là et c'est parfait. Pam pam. Allez, on va essayer comme ça. Choisissez les cartes à retirer. Un, alors on va retirer... Non, pas celui-là. Celui-là, on peut te retirer. Retirer. Ok, pas mal. Ok, on va y voir. Son petit pampa. Donc moi je voulais jouer ça. Histoire de se protéger un peu. Comme ça, toi. Ok. Pas trop le choix. Ah, il m'a bien eu cet enfoiré, je crois. Il va win. À 8. Commencer. Elle est pas mal ce jeu de cartes. J'aime bien. Deux. On garde. Deux. On garde. Allez. Ah putain, j'ai oublié. Putain. Faut que je le dégage ce truc. À chaque fois, je zappe. Ça commence pas bien. C'est pas bon.
Bizarre que je peux le mettre ici. Ça c'est le petit combo. Il faudra un truc. Ok, ça c'est pas mal ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai pas obligé. Allez. Bien sûr. Allez, il me faut une carte 1-2. Ça peut être pas mal. Carte. Et voilà. Thank you.
augmente de 3 la puissance des cartes alliées sur les cases à effet spécial tant que cette carte est sur le plateau. Aïe aïe aïe, ma pauvre Nena, c'est pas grave, ça arrive même au meilleur, va. Et surtout, le plus important, c'est que tu as eu le courage de jouer une partie contre un type aussi doué que lui. Car tu ne t'amélioreras jamais si tu refuses de jouer par peur de perdre. Je sais que tu as l'étoffe d'une championne, ma grande. J'ai vu ton talent à l'œuvre. Bon, tu devrais remercier le jeune homme d'avoir accepté de jouer avec toi. Merci pour la partie de cartes, monsieur. De rien. Je suis le comte Calgué. Admirez ce mural. Ok, alors on est où? Donc, le marchand, librairie Magnata, boutique d'objets, ça je l'ai fait. L'armurerie, elle est où? Et derrière. Qui se dresse fière dans le monde. Ah, puisse calme connaître un avenir. Bon, pour l'instant, j'aime beaucoup. Il a l'air d'être vraiment bien, je pense. Attends, on est où? Sur la gauche là. J'adore ce genre d'épée, c'est tout à fait mon style. Bienvenue. Oh, dites donc, elle est impressionnante votre arme. Elle a une belle patine. Elle a dû voir beaucoup de combats. Mais je pense qu'elle peut tout de même être encore améliorée. Avec les soins adéquats, elle deviendra encore plus puissante. Alors, je vous montre. Pour renforcer vos armes, ouvrez la section amélioration des armes du menu principal. Les attributs des armes augmentent en même temps que les niveaux d'armes du personnage au fur et à mesure qu'il les utilise au combat. Vous pouvez également activer les aptitudes d'armes, qu'elles recèlent et développer de nouvelles stratégies en donnant la priorité à l'attaque ou à la défense. Le niveau d'arme est propre au personnage et est conservé même si vous changez son arme. Allez, lancez le tutoriel. Sélectionnez le menu amélioration des armes. Cette page permet de consulter les armes dont sont munis les équipiers, leur niveau ainsi que le nombre de points d'aptitude nécessaires pour les faire monter en niveau. Sélectionnez une arme, la broyeuse. Les attributs d'une arme apparaissent sur cet écran. Vérifiez les valeurs actuelles ou encore la liste des aptitudes acquises. Compétence choc transperçant. Ok. Activons maintenant une aptitude d'arme. Appuyez sur triangle pour assigner une aptitude. Les emplacements destinés aux aptitudes s'affichent. Sélectionnez un emplacement et appuyez sur X. Ok. Les aptitudes assignables à l'arme apparaissent alors. Essayons de lui attribuer l'aptitude compétence d'arme plus 5%. L'aptitude a été attribuée. Lorsque le niveau d'une arme augmente, celle-ci acquiert de nouvelles aptitudes et le nombre d'emplacements disponibles augmente lui aussi. L'attribution d'aptitudes peut se faire de la même façon via l'insertion de Materia dans la section équipement et Materia. Il est également possible de régler le jeu de manière à ce que l'amélioration des armes par attribution d'aptitudes se fasse automatiquement. Voyons comment effectuer le réglage de l'amélioration d'armes automatique. Appuyez sur Options. Réglages, équilibrer attaque ou défense, ne sélectionnez rien pour l'instant et restons en mode manuel. Quittez le tutoriel. Pas mal du tout. Elle brille davantage déjà. C'est sa façon à elle de vous sourire. Ah. N'hésitez pas à lui refaire une beauté de temps en temps. Et puisque vous êtes là, jetez un œil à mes armes avant de partir. Ça c'est intéressant. Sélection d'articles de l'armurerie. Au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire, vous découvrirez de nouvelles armes dans les coffres disséminés ici et là. Sachez toutefois que si vous en manquez certains, vous pourrez acheter les mêmes armes dans les armureries des villes. Ces boutiques proposent souvent aussi de nouvelles protections et accessoires, alors pensez bien à aller jeter un œil à leurs articles. On t'a quoi ? Sabre somptueux. 3000. En stock, je l'ai. Ah, bah ouais, je l'ai.
Merci. Et prenez bien soin de votre arme. Merci. Lorsque vous équipiez un de vos personnages d'une arme, il devient capable d'utiliser la compétence d'arme qui lui est spécifique. Utiliser régulièrement augmentera le taux de maîtrise et lorsque celui-ci sera au maximum, votre personnage acquérera cette compétence d'arme et pourra l'utiliser même si vous changez son arme, lui conférant une plus grande polyvalence. Un bonus de maîtrise est appliqué lorsque les compétences d'armes sont utilisées dans certaines conditions, lesquelles sont indiquées dans la description des armes dans la section équipement et matériel du menu principal. Ok, ça je savais. Bon, on va se rendre au clocher. Ah, il a l'air d'être complet. Clocher panoramique. Si t'es prêt, on y va. Petit rendez-vous galant. Et on compte sur toi, Cloud. Voir Midgard ici, pas vrai? Sûrement. Sympa la vue. Ah, c'est Midgard. Vue d'une telle distance, elle est petite. Ouais, ça fait loin. Dis. Hier soir, t'as parlé à Tifa ? Elle est jalouse. Hein ? Tu sais, on a partagé la même chambre. Et elle t'a dit quelque chose ? Rien de spécial, non. Mais bon, pas besoin. Vous êtes des amis d'enfance. Je vous envie. Faut surtout pas gâcher ça. Ouais, carrément. Groupe 1, groupe B, séparez-vous. Trouvez-moi ce terroriste. On y va. Moi qui pensais être tranquille, pépère. Eh, ils sont partout en fait. Rechercher. Bon, ce sera pour le prochain épisode alors. Un peu d'action. Donc merci de m'avoir suivi. Moi je vous dis à la prochaine. On continuera. Je crois qu'on a fini tout ce qui est tutoriel, tout ça. On passe à l'action quoi. À la prochaine. Ciao.